où elle est maintenant, de l'or au crépuscule dans cette rue triste. Et c'est peut-être non loin du bar, du port, au même carrefour, à l'angle opposé, la porte est grande ouverte. On aperçoit des lumières bleutées à l'intérieur, une large bande de néon souligne le bord du comptoir, cariné à clin comme un bateau. Sur les murs, de grandes photos encadrées montrant les chalutiers d'ici aux abords du port, par mauvais temps. Chacune d'elles est éclairée d'une lampe douce, placée au-dessus, sous un abat-jour en laiton, oblong, en demi-rond, comme on en voit dans les galeries d'art. Une vitrine occupe tout un mur, contenant des maquettes dans des flots de papier doré. Elles sont de A assurer le service, à tour de rôle, le matin, le soir. Une grande blonde au teint clair avec une sorte d'auréole un peu plus pâle autour des yeux, comme un léger dépôt de fleurs de sel. L'autre est une brune aux yeux d'acier, sans doute la patronne, puisque l'enseigne du café porte son prénom. Il y a du monde le soir. Retour de mer. Elles s'activent l'une ou l'autre, sereines, efficaces, précises. Elles ont un ton maternel pour lancer, ça y est, tout le monde est servi. Elles les appellent par leur prénom, font la bise à beaucoup, serrent des mains, la mienne aussi. Beau regard franc. Elles travaillent au même rythme que ferme samedi et dimanche, quand les autres paraissent ouverts. Elles travaillent au même rythme que ferme samedi et dimanche, quand les autres paraissent ouverts. Ce serait simple de devenir un habitué, de venir là chaque matin prendre un café, lire le journal, se tenir informé de quoi. Il y avait des visites guidées, c'était au débarquement, du poisson à la vente, le moindre touriste en sait plus que moi. Va voir Funch de ma part, le directeur de la criée, il t'expliquera tout. M'a lancé l'autre jour Noël, le sympathique requin rencontré. Le journaliste, bon compagnon des temps anciens. Non. C'est très tôt, avant l'aube, qu'il faudrait venir au port quand tout commence. À cette heure-là, il faut être ici, à cette table. Une fois dans l'été, j'y étais allé un peu tard. Tout était fini. Des hommes en bleu rinçaient la criée à grands coups de jet d'eau. Sur le quai, ne subsistaient plus que des monticules de glace, où les goélands déambulaient pattes nues, picorant ça et là des débris roses. Là, la blonde balayait sous les tables un tapis rutilant de fines écailles, trace du passage des sardiniers. J'y étais encombrant, inutile, voyeur. Un jour peut-être, un matin, très tôt, à l'ouverture, pêche faite, et aurais-je ma place ? Ce sera un rhum